Exercice 9, une histoire de Dream Team en attaque. Finale de Ligue des Champions 2022. La Dream Team du PSG, recrutée au mercato d'été, composée en attaque de Messi, Ronaldo et Neymar, rencontre l'OM. Pendant 90 minutes, c'est un festival de buts. Messi a inscrit 2/7 des buts de la rencontre et Ronaldo en a inscrit 3/7. Première question, quelle proportion des buts de la rencontre ont-ils inscrit à E2? Autrement dit, le calcul qu'on va faire, donc là tu vois, proportion de buts inscrits par Messi et Ronaldo, c'est 2/7 des buts, ça c'est ceux inscrits par Messi, plus 3/7 qui sont ceux inscrits par Ronaldo. Alors, 2/7 plus 3/7, eh bien ça fait 5/7. Voilà. 2 plus 3, hein, tu vois, si je détaille ici le calcul, on va avoir 2 plus 3 parts de taille 1/7, et ça fait donc 5/7, voilà. Deuxièmement, Neymar a inscrit 3/14 des buts de la rencontre. Quelle proportion des buts de la rencontre ont-ils inscrit à E3? Donc proportion de Messi, Ronaldo et Neymar. Eh bien, nous allons avoir les 5/7 qui correspondent déjà à Messi et Ronaldo combinés. Et à ces 5/7, il va falloir ajouter 3/14. Alors, comme dans l'exercice précédent, tu vois, on ne peut pas ajouter directement ces deux fractions ici, puisqu'elles n'ont pas le même dénominateur. Ici, on a 5 morceaux de taille 1/7, et là, on a 3 morceaux de taille 1/14. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est convertir, si tu veux, cette fraction-là, là, on va essayer de la réécrire avec un dénominateur égal à 14, de façon à avoir des morceaux de taille 1/14 ici et ici aussi. Voilà l'idée. Alors quand on a 5/7, ça correspond à combien de morceaux de taille 1/14? Et bien, la question que tu te poses, c'est la suivante. 5/7, ça fait combien sur 14? Voilà. Eh bien, pour passer de 7 à 14, on multiplie par 2. Donc, si tu veux conserver l'égalité entre tes deux quantités ici, eh bien, il faut que tu multiplies aussi le numérateur par le même nombre non nul qui est 2. Voilà. Et finalement, 5/7, tu as des morceaux de taille 2 fois plus petite, donc il t'en faut 2 fois plus. 5 fois 2, 10. Voilà. Donc 5/7, c'est la même chose que 10/14, et d'ailleurs on va très bien le voir là-dessus. Je vais te le refaire après sur l'axe. Hop. Et ensuite plus 3/14. Et donc tout ça, ça fait du coup 13/14. Voilà. Tac. Donc je vais revenir ici là-dessus. Alors, sur notre jauge ici, ça, on suppose que ça représente tous les buts de la rencontre. Alors, Messi, qui est en bleu, lui, il en a inscrit 2/7. Alors, tu vois, ma jauge, elle est partagée en 7 si je prends les traits pleins. Tu vois, là, j'ai un rectangle, un deuxième de même taille, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Donc, comme Messi, il a inscrit 2/7 des buts, je vais assurer 2 rectangles sur les 7. Donc, hop. Tout ça, c'est Messi. Ensuite, on a Ronaldo qui a inscrit, lui, 3/7. Donc, 3 rectangles. Et là, on retrouve bien ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois. Ça fait donc bien 5/7, hein, 5 rectangles sur les 7, et bien 5/7. Et 5/7, c'est la même chose que 10/14, parce que tu vois, si chaque rectangle, tu le partages à nouveau en 2, tu vois, avec les traits pointillés, du coup, ça nous fait 14 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc, sur ces 14 petits carrés, eh bien, Messi et Ronaldo, ils en ont 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Tu en as bien 10 quatorzièmes ici. 10 carrés sur 14. Et donc, si on rajoute Neymar, lui, il a inscrit 3 quatorzièmes des buts de la rencontre. Ça fait donc 3 cases, 3 carrés sur les 14. Voilà. Ça, c'est Neymar. Très bien, on continue. Alors, troisième question, sachant que Thauvin a inscrit les deux autres buts de la rencontre. Donc finalement, ce qu'on a ici, ce sont les buts inscrits par Thauvin. Et on nous dit que ça représente deux buts. Déterminer le nombre de buts inscrits par le trio du PSG, Messi, Ronaldo et Neymar. Alors, puisqu'une case, ça correspond à deux buts, eh bien, Messi, lui, a inscrit 2 plus de 4 plus de 6 plus de 8, 8 buts. Ensuite, Ronaldo, il en a inscrit 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et enfin, Neymar en a inscrit 2, 4, 6. Voilà. Et finalement, 3, ils ont inscrit 26 buts. Ça fait un grand score hein, pour une finale de Ligue des Champions. Hey, réveille-toi, tout cela n'est qu'un rêve. Le PSG a peut-être les moyens de s'offrir ce trio, mais il ne faut pas rêver. Ils ne gagneront toujours pas la Ligue des Champions, et encore moins contre l'OM. Triste détenteur du record du nombre de défaites consécutives dans la compétition. 13 défaites consécutives, si je me souviens bien. Alors, à travers cet exercice, et d'ailleurs aussi l'exercice précédent, hein, on a vu comment on fait pour additionner des nombres écrits en fractions. La première chose à faire, comme on a dit, c'est réécrire les fractions avec un même dénominateur. Il faut que tes morceaux, ils aient la même taille. S'ils n'ont pas la même taille, tu ne peux pas les ajouter directement. Donc c'est ce qu'on reprend ici. Ce qu'il ne faut pas faire dans un premier temps, éviter l'erreur classique d'ajouter ou soustraire les numérateurs entre eux et après les dénominateurs entre eux. Donc si je reprends, tu vois, le calcul ici, quand nous avions 2 septièmes plus 3 septièmes, tiens, je le réécris là. Voilà. Et bien ça, c'est pas égal, hein. Il ne faut surtout pas ajouter les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Hein. Les tailles, elles ne s'ajoutent pas comme ça. Ça fait pas 5 quatorzièmes. D'ailleurs, on l'a bien vu ici. Tu colories 2 rectangles sur 7 et après tu colories 3 rectangles sur 7. Et bien au total, tu as colorié 2 plus 3, c'est-à-dire 5 rectangles sur 7. On n'a pas ajouté les dénominateurs entre eux. Voilà. Donc de façon générale, cela ne fonctionne pas et ça n'a d'ailleurs aucun sens quand on y réfléchit. Alors, comment on fait pour ajouter ou soustraire des nombres écrits en fractions? Premièrement, si le dénominateur est le même, bah, tu as de la chance, tu n'as plus qu'à ajouter et soustraire les numérateurs entre eux. C'est le cas ici, tu vois, si je prends ce qu'on avait là aussi d'ailleurs. Si on me demande d'ajouter 5 neuvièmes et 2 neuvièmes. Bah, 5 neuvièmes, ça fait 5 cases sur 9. Tu vois, mon unité, je l'ai partagée en 9 cases ici. J'en ai 5 sur les 9 qui sont bleus. J'en ai 2 sur les 9 qui sont rouges. Donc au total, j'en ai 5 plus 2, c'est-à-dire 7. 7 cases sur les 9, c'est-à-dire 7 neuvièmes. Donc là, j'ai juste ajouté les numérateurs entre eux, puisqu'ils ont le même dénominateur. Ce sont des morceaux de même taille. 5 morceaux de taille 1 neuvième, 2 morceaux de taille 1 neuvième, ça fait 7 morceaux de taille 1 neuvième. Pareil, si on veut soustraire, 5 morceaux de taille 1 neuvième moins 2 morceaux de taille 1 neuvième, eh bien il m'en reste 3 de taille 1 neuvième, c'est-à-dire 3 neuvièmes. Donc là encore, je soustrais directement les numérateurs entre eux, et par contre la taille des morceaux, elle ne change pas, hein, ça reste des neuvièmes. Bon. Donc ça, c'est le cas facile. Cas un peu moins facile, où le dénominateur n'est pas le même. Tu vois, 4 cinquièmes plus 3 dixièmes. Je n'ai pas des morceaux de même taille sur les deux. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais transformer une des deux écritures en fraction de façon à obtenir le même dénominateur pour les deux. Et là, en l'occurrence, tu vois, mon 4 cinquièmes,
eh ben je vais le transformer en dixième. Alors pour passer des cinquièmes au dixième, hein, pour passer de 5 à 10, il faut multiplier par 2. Donc si je multiplie mon dénominateur par 2, je vais avoir des morceaux de taille deux fois plus petite. Il me faudra donc deux fois plus de morceaux. Donc je multiplie aussi par 2. Et donc du coup on obtient 4 cinquièmes qui est la même chose que 4 fois 2 sur 5 fois 2. 4 fois 2 ça fait 8. Et 5 fois 2 ça fait 10. Donc là j'ai bien converti mes 4 cinquièmes en 8 dixièmes. Voilà. Et maintenant je suis content puisque pour ajouter finalement 4 cinquièmes et 3 dixièmes, eh bien ça revient à ajouter 8 dixièmes et 3 dixièmes. Mes nombres ont le même dénominateur, donc je peux ajouter directement les numérateurs entre eux. 8 plus 3, 11 dixièmes au total. Et là encore on le voit avec le dessin. Pareil si on a une soustraction, 2 tiers moins 5 douzièmes. J'ai des morceaux qui n'ont pas la même taille. Ici j'ai des tiers, ici j'ai des douzièmes. Eh bien je vais transformer les tiers en douzièmes. Pour passer de 3 à 12, eh bien, il faut que je multiplie par 4. 3 fois 4, 12. Du coup, je vais avoir des morceaux de taille 4 fois plus petite. Il m'en faudra 4 fois plus. Je multiplie aussi le numérateur par 4. Toujours, je multiplie par le même nombre, si je veux conserver l'égalité. 2 fois 4, ça fait 8. Du coup, 2 tiers, c'est la même chose que 8 douzièmes. Et maintenant, je peux soustraire du coup hein, 2 tiers moins 5 douzièmes. Eh bien, ça revient à enlever 5 douzièmes à 8 douzièmes. Et il en reste 3 des douzièmes. Voilà. Alors, dans certains cas, ce ne sera pas évident de trouver un dénominateur commun. Tu vois, là, c'était assez simple puisque 10, c'était un multiple de 5. Donc, on arrivait assez facilement à passer de 5 à 10. Pareil, ici, 12, c'était un multiple de 3. C'était dans la table de 3, donc on arrivait assez facilement à convertir les tiers en douzièmes. Mais des fois, c'est pas si simple. On va le voir là juste en dessous. 2 cinquièmes et 1 tiers. Eh bien, tu vois, je vais avoir du mal à transformer les tiers en cinquièmes directement. Parce que 5, c'est pas dans la table de 3. Alors, il y a une petite astuce. Et cette petite astuce consiste à finalement transformer les deux fractions. Voilà. Pour obtenir un dénominateur qui est tout simplement le produit des deux. Tu vois, je vais transformer 2 cinquièmes. En multipliant en fait les cinquièmes, je vais les transformer en quinzièmes. En fait, en 5 fois 3. Je vais multiplier les deux dénominateurs entre eux. Donc tu vois, mon 2 cinquièmes là, eh ben, je vais multiplier donc le dénominateur par 3. Et du coup, le numérateur aussi. Hein. Si je veux conserver l'égalité, je multiplie toujours par le même nombre en haut et en bas. Donc je vais avoir 2 cinquièmes qui va être égal à 2 fois 3 sur 5 fois 3, c'est-à-dire 6 quinzièmes. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ben parce que du coup ça m'arrange, je vais pouvoir transformer aussi mes tiers en quinzièmes. Et 3, je vais le multiplier par l'autre dénominateur, ce qui est 5. Voilà. Donc 1 tiers, ça va être 1 fois 5 sur 3 fois 5, et là je me retrouve à nouveau avec des quinzièmes. Hein. Finalement, tu vois, quand tu multiplies les deux dénominateurs entre eux, eh ben, tu obtiens forcément le même dénominateur. C'est l'idée. Donc mon 1 tiers, je le convertis en 15e lui aussi. Ça fait 5 15e. Et là, je suis content parce que, tu vois, ce sont mes deux fractions que j'ai converties pour avoir le même dénominateur, finalement, qui est le produit des deux. 5 fois 3, 15. 3 fois 5, 15. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter les numérateurs entre eux. 6 plus 5, ça fait 11 15e au total. Même chose ici, 5 sixièmes moins 5 huitièmes. Ici, j'ai deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur. 8, c'est pas un multiple de 6. Alors du coup, je vais chercher à transformer mes deux nombres ici pour avoir le même dénominateur. Et un dénominateur commun, assez facile, hein, c'est de multiplier les deux dénominateurs entre eux. Donc mes 5 sixièmes ici, je vais les convertir en 6 fois 8. Tu vois, 6 fois 8 ici. Du coup, je vais multiplier 5 par 8 aussi. Et du coup, je transforme ça en 6 fois 8, c'est-à-dire 48. Donc mes sixièmes, je les ai transformés en 48e en multipliant les deux dénominateurs entre eux. Et ça me fait donc 5 fois 8, 40 48e. Maintenant, je vais transformer ma deuxième fraction ici, 5 8e. Je vais les transformer, les convertir pour avoir des 48e aussi, en multipliant 8 par l'autre dénominateur qui est 6.
Donc je vais avoir 5 fois 6, 30, sur 8 fois 6, 48. Voilà. J'ai transformé mes deux fractions, là, en 48e. Et maintenant, j'ai plus qu'à soustraire les numérateurs. J'ai 40 48e. Et après, j'enlève 30 48e. Et bien, il me reste 10 48e. Voilà. Donc, pense à ça, hein. Si l'un des dénominateurs n'est pas un multiple de l'autre, comme c'était le cas ici et ici, alors, pardon, ici et ici, un des dénominateurs était un multiple, pardon, de l'autre. Alors que dans les deux cas suivants, bah, c'est pas facile de trouver un multiple commun aux deux. 5, c'est pas un multiple de 3, 8, c'est pas un multiple de 6. Donc quand tu vois pas directement un multiple commun, tu te casses pas la tête, tu multiplies les numérateurs entre eux et tu transformes les deux fractions. Voilà. Alors parfois, il peut, enfin d'ailleurs c'est pas parfois, hein, c'est toujours, il existe plusieurs en fait dénominateurs communs. Tu vois ce que je te mets là? Il existe une infinité de dénominateurs communs possibles. Alors, quel qu'il soit ce dénominateur commun, le résultat obtenu, ça représentera la même quantité, c'est juste qu'elle sera écrite différemment. Voilà. Tu vois, si je reprends là, l'opération 5 sixième ou 5 huitième, moi, au début j'ai obtenu 10 48e. Bon. Parce que j'ai décidé de transformer mes deux fractions ici avec un dénominateur égal à 48. Eh bien, il existe un autre dénominateur commun à 6 et 8, en fait un autre multiple commun à 6 et 8, qui est 24. 24, c'est dans la table de 6 et c'est aussi dans la table de 8. Donc finalement, je vais transformer 5 sixième et 5 huitième en 24e. Pour passer de 6 à 24, il faut que je multiplie 6 par 4. Donc je vais aussi multiplier 5 par 4. Et 5 par 4, 5 fois 4, ça fait 20. Donc mon 5 sixième, c'est la même chose que 20 24e. Et ensuite, je vais transformer les 5 huitièmes en 24e aussi. 24, c'est 8 multiplié par 3. Donc je vais multiplier 5 par 3 et ça fait 15 24e. Donc finalement, 5 sixièmes moins 5 huitièmes, c'est la même chose que 20 24e plus 15 24e. Moins d'ailleurs, tu vois, hop, il y a une petite erreur ici, là, j'ai pas fait attention. Je vais rectifier ça, hein. Donc ici c'est 5 sixièmes moins 5 huitièmes, donc on enlève. Tac. Et ici aussi, voilà. Et donc maintenant nous avons 20 24e auquel on enlève 15 24e, et bien il reste 5 24e. Et tu vois, 5 24e, c'est le même résultat que 10 48e. C'est la même chose, c'est juste qu'elle est écrite sous une autre fraction. Tu vois, pour passer de 10 48e à 5 24e, il suffit tout simplement de simplifier cette fraction-là par 2. 10 divisé par 2, ça fait 5, et 48 divisé par 2, ça fait 24. Voilà. Alors, là encore, tu vois, cette méthode, eh bien, il va falloir qu'on l'applique, hein, dans l'exercice qui suit ici. Voilà, on va avoir pas mal de calculs à faire. Et là encore, il faut que tu fasses de la fiche d'entraînement parce que il faut que ça devienne automatique, ça. C'est pas simple, je te le dis franchement, au début, c'est pas simple. Au début, tu galères un peu, tu réfléchis pour trouver le dénominateur commun, etc. Et en fait, c'est à force de le faire que tu vas devenir de plus en plus rapide. Tu vas aller de plus en plus vite pour résoudre ce genre d'opération. Il faut vraiment que ça devienne automatique parce que bah, plus ça va, plus les problèmes deviennent difficiles en mathématiques, hein, plus les exercices deviennent difficiles. Et en fait, on ne se contente pas finalement, tu vois, juste de poser un calcul. Des fois, il faut réfléchir avec le résultat du calcul, etc. Et si déjà tu passes trop de temps à effectuer le calcul, et bah, du coup, tu pourras pas, tu auras moins de temps pour réfléchir au reste de l'exercice. Voilà. Et clairement, il ne faut pas que ça, si tu veux, ça soit un problème pour toi. Il ne faut pas que ça soit un frein. Voilà. Ça, c'est obligatoire, c'est comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'on apprend les mathématiques au collège. Ça fait partie des techniques que tu dois connaître et savoir appliquer très rapidement. Donc, on va faire l'exercice 10 et n'hésite pas à faire des fiches d'entraînement encore, encore, encore et encore. Allez, bon courage!